This is a flock of starlings. All the birds in there are moving together in a very organized way, yet there is no leader giving orders to the others. This is called collective motion, the coordinated motion of a group without a leader. Collective motion is also observed in other groups of animals, like schools of fish and colonies of bacteria. But actually, a system doesn't have to be made of living units to exhibit collective motion. It can also happen in physics experiments. And that's what we're going to discuss today in the Lutetium project. The branch of science that studies the behavior of systems made of many subunits is called statistical physics. For instance, computing a pressure at our scale, knowing the motion of billions of particles in a gas, or predicting the value of a financial assets when thousands of agents interact in a market are statistical physics problems. The emergence of collective motion in a system is just another problem that statistical physicists are trying to tackle. In order to observe it, we need the particles in the group to be active, meaning that they all have a small source of energy to propel themselves. In living systems, the energy source is simply the energy they got from food, which enables them to move. But in the lab experiments, the activity should arise from simpler, well-controlled mechanisms, like, for instance, a chemical reaction or a tiny engine. To see how we can design such experiments on collective motion, we're going to meet Olivier Dauchot, the head of a research group in the Gulliver lab at the ESPCI. Du coup, bonjour Olivier. On est ici dans ton labo où tu fais tes manip de physique sur matière active. Et on se demandait justement qu'est-ce que c'est l'intérêt de faire des expériences de physique plutôt que de regarder un vol d'oiseau, un vol d'acide, un vol de poisson Alors il y a, il y a un peu euh, deux raisons. Une première raison, c'est que d'aller faire des expériences euh, dans la nature, euh, suivre des oiseaux, ça demande quand même beaucoup de logistique. Euh, avoir la reproducibilité sur plusieurs expériences successives est difficile. Euh, L'autre raison, c'est que ces systèmes sont des systèmes où il y a énormément de paramètres qu'on ne contrôle pas bien la force du vent pour les oiseaux, je ne sais pas, la fin des, la fin des insectes, où est-ce qu'ils en sont dans leur cycle de reproduction, etc., etc. Euh, et donc, ça peut être intéressant d'avoir des systèmes inertes construits par euh, la main de l'homme, euh, où on contrôle a priori les lois physiques élémentaires euh, qui gouvernent euh, nos petits individus. Mais justement, est-ce qu'il existe des modèles théoriques pour décrire ça déjà Alors oui. D'un autre côté, c'est un peu l'autre extrême. Il y a des modèles qui ont été proposés. Toute cette histoire de matière active a même un peu commencé comme ça. Le jour où Tamás Vitek, euh, un Hongrois à Budapest, a proposé un modèle très simple pour décrire des vols d'oiseaux, il a proposé un modèle vraiment de, de physicien très réductionniste, consiste à dire. Euh, voilà, un oiseau c'est un point. Chacun de ces oiseaux est animé d'une vitesse qui a une certaine orientation et euh, une valeur donnée. Et puis quand cet oiseau numéro 1 rencontre un deuxième oiseau, euh, qui lui aussi va avec sa vitesse propre, euh, les deux oiseaux interagissent s'ils sont dans, une, dans un certain voisinage. Et la règle mise à la main dans ces modèles consiste à dire qu'ils vont s'aligner parfaitement sur la vitesse moyenne des deux oiseaux euh, avant de se rencontrer. Et puis comme il y a un peu de bruit, il y a un peu de perturbation, à la fin, ça sort euh, un petit peu comme ça, voilà. légèrement euh, déformé. Donc ça, c'est vraiment un modèle très simpliste, qui a beaucoup de mérite parce qu'on peut faire beaucoup de choses d'un point de vue numérique et théorique, mais au, de, disons, de façon opposée aux expériences de biologie, il est peut-être trop simpliste. Et donc le but d'avoir des expériences modèles en laboratoire, c'est de pouvoir confronter... Ces systèmes un peu universalisants à euh, différentes familles d'expériences pour voir si elles sont bien décrites par ce cadre ou bien s'il y a des paramètres importants qui ont été oubliés. Et c'est une question qui est d'autant plus délicate que on n'a pas de principe qui sous tendent la physique de ces systèmes parce que ces systèmes sont des systèmes hors équilibre. We say that a system is at thermodynamic equilibrium when all the changes that its constituents undergo are reversible. For instance, in a gas, it means that it is just as likely to see a particle moving from point A to point B as it is to see the reverse path. That property means that systems that exhibit a global motion in a specific direction, like a flow, are not at equilibrium. More generally, in a system at equilibrium, there can be no flux, that is to say, no large scale transfer of energy or matter. And all systems that exhibit fluxes are called, well, non equilibrium systems. And there are plenty of ways to make a non equilibrium system. For instance, if two parts of a system have a different temperature, a heat flow is created. When there's a pressure difference between two rooms, an air flow is created. And when we apply a voltage to an electrical circuit, a current is created. But for active matter, each individual particle wants to move in a specific direction for a bird it's the direction it's looking in. As a result, the motion of individual particles is no longer reversible. Active systems are non-equilibrium right from the single particle scale. Et du coup en pratique, comment est-ce qu'on fabrique une particule active Ah bah oui, c'est très important de, de savoir ça en effet euh, et en particulier, une particule active ne peut pas être un point comme dans ce modèle de Vicek. Donc, si on veut fabriquer une particule active, au moins d'un point de vue conceptuel, on est obligé de commencer par une particule normale, disons une sphère ou un disque, et puis si on veut qu'elle soit active, il faut briser la symétrie avant-arrière. Donc voilà, ici une particule qui a maintenant un avant et un arrière. Elle a donc une direction qui lui est propre. Voici. Et ensuite, il n'a plus qu'à lui greffer un petit moteur peut prendre différentes formes. Et une fois que ce moteur sera en marche, la particule se déplacera dans la direction qui a été créée dans le design de la particule. Donc plus concrètement, voici des petits X-Bugs que l'on peut trouver dans le commerce. Ces petits objets ont des pattes qui sont orientées vers l'arrière et c'est ça qui brise la symétrie avant-arrière. Puis ensuite, à l'intérieur, ils ont un petit moteur de téléphone portable. Et donc, quand on met le moteur en marche, ils avancent dans la direction prescrite par leur fabrication. Celui-là est un petit peu tordu, mais si on en prend un qui marche bien droit, vous allez voir qu'il peut vraiment partir tout droit pendant longtemps. Voilà. Alors, euh, ces petits objets, comme vous avez pu voir, ont eux-mêmes de la variabilité, donc il nous faut des objets encore mieux contrôlés. Et donc, dans le laboratoire, nous avons créé des petits marcheurs inspirés de ce modèle que je vous ai dessiné. Ces petits marcheurs, vous voyez, sont en fait des disques en métal sur lesquels on a greffé une petite patte en caoutchouc et une petite patte métallique. et Lorsqu'on va poser ces petits disques métalliques, donc les pattes sur le sol, et que le sol sera un vibreur, et bien à ce moment-là, ces petites particules vont se mettre à marcher. Donc nous avons ici un vibreur sur lequel on peut poser la petite particule. Donc ce plateau vibrant est mis en mouvement par un vibreur électromagnétique qui transmet un mouvement vertical par cette longue tige à cette pièce. Cette pièce assure à la fois la verticalité parfaite du mouvement. Et la structure ici assure l'horizontalité parfaite du plateau. Il n'y a plus qu'à mettre le plateau en marche. Et une fois le niveau de vibration requis atteint, le petit marcheur se met en mouvement. On met ensuite autant de marcheurs qu'on veut sur ce plateau. Et la caméra installée ici permet de suivre la dynamique de cette population de marcheurs. Mais du coup, si vous mettez toute une population, beaucoup de particules là-dedans, ça va devenir extrêmement compliqué. Comment est-ce que vous arrivez à, à extraire de l'information de ça? Ah, alors le fait qu'il y ait beaucoup de particules, comme ici par exemple, tu vois, il y en a... Euh un peu plus d'un millier, n'est en soi pas vraiment un problème. Au contraire, comme on ne s'intéresse pas à la dynamique individuelle de chacune des particules, mais à leur comportement collectif, on va pouvoir faire des moyennes sur la population de particules. Et dans ce cas-là, au contraire, plus la population est large, mieux les moyennes sont définies. Et pour s'assurer que la dynamique collective que l'on observe n'est pas induite par un biais expérimental, nous utilisons aussi des particules témoins. Ces particules témoins sont du même type que celles que nous avons étudiées, euh, fabriquées euh, ici, sauf qu'elles sont parfaitement symétriques, n'ont pas de direction et donc ne sont pas autopropulsées par la vibration. Donc, voilà ce que ça donne quand on filme euh, une population de ces particules posées sur le vibreur. Voilà. Ici à gauche, les particules témoins, je mets la vibration en marche, et qu'est-ce qu'on voit? On voit un mouvement désordonné des particules, sans aucune direction privilégiée, qui se collisionne, un peu comme euh, les molécules dans un liquide. À droite, au contraire, on s'aperçoit que les petites particules qui ont une direction privilégiée créent des mouvements d'ensemble qui sont absolument différents du désordre qu'on observe à gauche. On voit des mouvements collectifs. On a mis donc en évidence le fait que ce système fabriqué de la main de l'homme présente les comportements similaires aux comportements qu'on veut étudier et qui sont observés dans la nature chez les populations d'oiseaux et d'animaux. Tu viens de nous dire qu'il y avait du mouvement collectif dans le système, donc un alignement des vitesses. Mais si, pourquoi est-ce que ça s'alignerait C'est pas comme des oiseaux, ils se voient pas les uns les autres pour décider d'aller ensemble. En effet, il n'y a absolument aucune perception visuelle dans nos petits grains, il y a d'ailleurs aussi aucune intelligence, c'était même une de nos motivations pour avoir utilisé ces systèmes physiques modèles, euh, beaucoup plus simples à comprendre que les systèmes biologiques. Euh, néanmoins, euh, ce sont des disques, et donc on peut se demander euh, pourquoi ils s'alignent et comment ils s'alignent. Euh, en effet, si on prend des objets allongés, comme ces petits Xbox dont nous parlions euh, il y a cinq minutes, euh, quand ils se collisionnent, parce qu'ils sont allongés, on comprend bien qu'ils vont s'aligner. Maintenant, nous avons affaire à des disques. La raison pour laquelle ils s'alignent nous a en fait posé question pendant un certain temps. Il est crucial de bien la comprendre, car elle fait toute la différence avec le modèle de Vitschek. Dans le modèle de Vitschek, euh, souviens-toi, euh, nous avions euh, un oiseau était un point, et... L'oiseau était muni d'une flèche qui définissait en même temps l'orientation de l'oiseau et sa vitesse. Donc un oiseau, ça bouge toujours dans le sens de sa tête. Dans le modèle de Vitek, c'est ça la vision qu'on en a. À partir du moment où on travaille avec des objets véritables, dans lesquels on a designé une orientation par la forme de l'objet ou par le dessin des pattes de l'objet, comme nous le voyons encore ici sur ce dessin, la vitesse et l'orientation de l'objet peuvent être différentes. L'objet est orienté de l'arrière vers l'avant, toujours. C'est invariable. Par contre, typiquement, après une collision de cet objet avec un autre objet similaire ou avec un mur, sa vitesse va prendre une orientation différente de celle de, de l'objet. Alors, à partir du moment où on a ces deux flèches qui ne sont plus alignées l'une avec l'autre, ceci va induire une rotation, un peu comme une voiture d'air après si euh, elle n'est plus en train de, de se déplacer dans la direction de son axe de conduite normal. Euh, et c'est cette rotation qui va induire un alignement entre les deux particules qui se sont collisionnées. Donc ça c'est très important parce que c'est vraiment ceci qui montre qu'a priori un système actif réel avec une vraie masse, une vraie taille, euh, un vrai objet physique n'est pas a priori la même chose que le modèle de Vitschek. Ok donc ces particules prennent de la place individuellement mais ça veut aussi dire que si tu en mets beaucoup elles vont commencer à être gênées les unes par les autres pour avancer. Est-ce que ça change beaucoup les propriétés ah mais ben, si on prend beaucoup de petits marcheurs et que tu les confines dans un espace restreint un peu comme une foule dans un hall de gare à un jour de, de grande affluence on va effectivement avoir des problèmes d'encombrement et les particules vont commencer à se bloquer les unes les autres si on reprend nos particules témoins par exemple qui sont de simples disques et que tu essayes de les compacter eh bien, tu vas voir qu'elles vont commencer à se, à se ranger les unes avec les autres c'est ce qu'on appelle la transition de cristallisation. in statistical physics we often study transitions. A phase transition is a dramatic change of the properties of a system when we slightly tune the value of a parameter like temperature or density. For instance, under atmospheric pressure, water undergoes a phase transition at 0 degrees Celsius. It means that it's very different a fraction of a degree below zero, where it's solid, and a fraction of a degree above zero, where it's liquid. Whereas water isn't that much different at 10, 20, or 60 degrees. In fact, this kind of transition happens in many situations, both in real life experiments like with liquid crystals, and in purely theoretical models like the Vychek model. In particular, if we take hard disks and we densify them, there is a critical density at which the system goes from a liquid state with disordered positions to a crystal state in which disks are very well organized. When those particles self-organize into a regular pattern, we say that a new symmetry appeared in their organization, and it can change dramatically their properties, just like water becomes rigid when it freezes. Okay, donc tes disques témoins cristallisent quand on met beaucoup ensemble, mais qu'est-ce qui se passe pour tes disques autopropulsés? Ah, la situation est tout à fait différente. La transition de cristallisation est violemment modifiée. Regarde ici, voilà une vidéo de ce qui se passe quand on augmente la densité de, de petits marcheurs. Donc, normalement, la cristallisation pour les disques témoins euh, se passe continuellement et on voit progressivement le cristal se former, etc. Ici, tu vois qu'au contraire, on forme des petites cristallites très denses qui sont entourées d'une mer de particules actives, de petits disques actifs euh, désordonnés. Et ceci, on a beau augmenter la densité, augmenter la densité, on voit toujours ces, ces espèces d'îlots cristallins qui naviguent dans cette mer de particules euh, désorientées. Et ce jusqu'à des densités très élevées, beaucoup plus élevées que ce qu'on peut faire avec des disques normaux. Mais du coup, ça cristallise jamais vraiment. Alors, euh, il a fallu pousser les densités très 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 loin pour pouvoir commencer à observer un cristal. Alors, on finit par observer un cristal à un moment donné. Si tu mets des disques tellement tellement proches les uns des autres comme un paquet d'oranges à l'étalage, tu es obligé de former une structure ordonnée. Mais ils veulent bouger, ils veulent bouger, ils s'alignent, et donc ce que tu vois, c'est un cristal qui coule, un cristal qui tourne. Et du coup, est-ce qu'il reste des questions qui se posent sur cette expérience Oui, on peut encore regarder un certain nombre de choses, notamment par exemple la question des forces qu'exercent ces petits marcheurs quand ils rentrent au contact d'une paroi. Donc cette question, en fait, est une question qui se pose déjà dans la physique des gaz à l'équilibre. Euh, autour de nous, toutes les petites molécules d'air tapent contre les murs de la pièce, et euh, en tapant contre les murs de la pièce, exercent une force sur les murs. C'est ce qu'on appelle communément, dans le langage courant, la pression. Et cette pression, si je prends un liquide normal ou un gaz normal, ne dépend pas du conteneur qui contient les molécules. Elle dépend de la température de l'air, euh, du volume de la pièce, et puis c'est tout. Il est, il est très clair que si je prends mon mur et que je le peins en blanc, en vert ou en rouge, ça ne va pas changer la pression dans ma pièce. Les particules marcheuses nous ont laissé des surprises à cet égard. Donc on a mis des particules marcheuses dans une enceinte et on a mesuré les forces que ces particules exercent sur cette enceinte. Et là on a constaté que si on changeait la nature de l'enceinte, elle n'exerce pas les mêmes forces. Donc on est dans une situation où... La pression, entre guillemets, maintenant il faut être très prudent quand on utilise ce terme pour ces systèmes de particules actives, en tout cas la pression mécanique dépend de la nature des murs, ce qui rend ces systèmes hors équilibre beaucoup, beaucoup plus compliqués que les systèmes dont on a l'habitude au quotidien. Est-ce que c'est possible de faire des expériences qui se rapprochent à nouveau plus du monde vivant ah, pour revenir un petit peu aux espèces, type oiseaux et autres de façon contrôlée. Alors oui, en fait, il y a un peu deux stratégies. Ça dépend de ce qu'on appelle le vivant. C'est une question assez difficile en soi déjà. La première stratégie, c'est travailler avec des bactéries. Ça, il y a beaucoup de gens qui le font. Et pourquoi on travaille avec des bactéries Parce qu'en fait, les bactéries, c'est presque des systèmes aussi modèles que les petits grains marcheurs dont on a parlé. Toute l'ingénierie génétique permet de contrôler ces bactéries de façon presque programmée. Et donc de cette façon-là, on travaille avec des systèmes vivants modifiés à souhait. L'autre stratégie, et qui est celle que nous allons suivre à partir du mois de janvier ici, est de travailler avec des petits robots. Donc là, on peut reprendre la stratégie des marcheurs. Simplement, chacun de ces petits marcheurs, ce ne sont pas exactement les mêmes évidemment, mais chacun des petits marcheurs aura... Un petit capteur élémentaire, un petit émetteur élémentaire, un petit calculateur élémentaire, une petite mémoire embarquée, et donc sera à même d'avoir un début d'intelligence, et donc capable de communiquer avec ses interlocuteurs pour accomplir des tâches plus complexes, ou au contraire nous rendre la vie plus difficile. On verra bien. Eh bien, merci Olivier de nous avoir accueillis ici pour le projet Lutetium. C'était vraiment super d'avoir ce panorama des expériences en matière active. Bah, C'est moi qui vous remercie. Je suis vraiment ravi d'avoir contribué au projet de que j'aime beaucoup. J'ai prévu de vous remettre cette petite photo qui illustre euh, les petits grands marcheurs dont nous avons parlé. Tu les vois ici dans leur régime dense, euh, en train d'essayer de s'organiser pour faire le fameux cristal qui coule. Euh, voilà. Je sais que vous avez toute une collection des photos qui accompagnent vos vidéos et je suis euh, heureux de te la remettre. Merci beaucoup. And that's how jumping grains can help us understand flocks of birds. If you like this video and you don't want to miss the next ones, feel free to subscribe. And if you have anything to say about this video or its content, you can leave a comment.